Donc c'est une convention qui vise à mettre en place un intervenant social, et au cas particulier c'est une intervenante sociale au sein de la compagnie de gendarmerie de Brignoles. Cette intervenante aura pour mission d'accueillir notamment les hommes ou femmes, mais surtout les femmes victimes de violences intrafamiliales, puisque c'est un phénomène qui a été constaté comme étant important dans le secteur de Brignoles. Et il était intéressant, comme on l'a fait en police à Toulon, d'avoir pour une zone plus rurale du département ce type d'intervention. J'ai pu croiser d'autres intervenants sociaux dans d'autres départements. C'est une formule qui marche et qui permet d'accueillir dans de bonnes conditions notamment toutes les femmes victimes de violences ou toutes les personnes victimes de violences, qu'elles soient intrafamiliales ou en dehors. Et ça permet de compléter l'action des gendarmes qui sont très bons sur leur cœur de métier, mais qui n'ont pas forcément la compétence sociale, laquelle va être exercée par cet intervenant, qui pourra, après l'accueil des victimes, faire toutes les liaisons nécessaires avec les organismes divers qui pourront traiter les difficultés qui lui auront été présentées. Alors cette convention qui a pour objet de mettre en place un intervenant social au cœur de la compagnie de gendarmerie de Brignoles est une convention que nous appelions de nos voeux depuis longtemps. Parce que les gendarmes sont amenés à intervenir régulièrement dans des familles, sur des situations délicates, où on se rend bien compte que l'éventuelle violence ponctuelle n'est pas le problème, mais que derrière, il y a une dimension sociale, il y a un besoin d'accompagnement de familles qui sont en difficulté, ou de voisins qui ont du mal à cohabiter, et où le gendarme est assez rapidement impuissant, sauf à revenir constater régulièrement que le problème de fond demeure. Il était donc important pour nous de pouvoir transmettre nos observations, nos constats, à des associations, à des travailleurs sociaux, dont c'est le métier d'aller aider les gens à résoudre leurs problèmes. Cet intervenant donc va faire le lien entre la gendarmerie, la victime et les institutions publiques de droit commun, comme une mise à l'abri d'urgence par exemple, ou la mise en place de soins d'urgence, ou l'orientation vers une prise en charge psychologique ou médicale, et puis ensuite une insertion sociale, économique, pour des femmes qui ne sont pas forcément autonomes et qui ont besoin de cette autonomie pour se sortir de la situation. Pour résumer mon poste, je dirais trois mots, ça serait accueillir, donc apporter une écoute, et évaluer et orienter vers des partenaires, vers notre réseau, pour créer du lien, donc dans les problématiques de violence intrafamiliale, violence conjugale, et puis au niveau de la prévention de la délinquance, les auteurs mineurs. Mes permanences seront le mardi, jeudi et vendredi, de 9h à midi et de 14h à 19h. Il y a une grande amplitude au sein des locaux de la gendarmerie de Brignoles.